Pelle, râteau et brouette en main pour faire briller les trottoirs et caniveaux de Mindoubé 1. C'est l'objectif de cette journée de nettoyage organisée par l'ONG 1001 Sourires. Aujourd'hui, nous faisons une activité citoyenne. Donc, nous l'avons initiée par rapport à la rentrée scolaire. Parce que nous faisons dans la sensibilisation de la préservation. Et on se dit, pour une meilleure rentrée scolaire, il va falloir que le quartier soit sain pour qu'il y ait des corps sains. Donc nous avons concilié l'éducation et la préservation de l'environnement. Comme l'ONG opte pour l'éducation et le respect de l'environnement, la jeunesse n'a pas été mise à l'écart de cette activité de nettoyage. Nous avons convié les jeunes à cette activité, histoire de faire passer le message. Parce que la sensibilisation part déjà depuis le bas âge et c'est la lutte que nous avons. Donc apprendre nos enfants à préserver l'environnement, et apprendre à recycler également le plastique. C'est ça l'objectif. À noter que cette activité s'est tenue en prélude à la journée de remise de dons des kits scolaires qui sera organisée le dimanche 6 octobre par l'ONG 1001 Sourires.